Vas-y, viens, on entre dans la gendarmerie. Attends 2 secondes. C'est terrible. Terrible. Hop, Moussa, ça dégage. Alors je repay kit. Mais respect. Mes respects, mon gars du chef, repos. Je vais m'équiper. Je dois vous dire un truc. On va être que deux en patrouille. Bon. Le reste, c'est du recrutement. D'accord. Eh ben c'est pas grave. Voilà. On va prendre de la thune. Voilà, je suis bien chaud pour une petite patrouille en berlingot. Comme vous voulez prendre le COG, mon gars du chef? Ah bah je vous le laisse avec plaisir, hein. Vous voulez progresser dans la hiérarchie gendarmerie? Ah, pour moi, ça devrait être tout le temps quelqu'un de minimum gradé adjudant qui devrait le prendre parce que des fois Bah il y a pas mal de contradictions au niveau d'ordre donné, etc. Bon, après, on est que deux, il n'y a pas vraiment de COG. bah voilà, comment voulez-vous qu'on vous évalue sur l'aptitude à prendre le COG si vous ne le prenez pas? Et moi, en fait, j'aimerais bien qu'on ait comment dire, un tableau avec des dates particulières pour dire par exemple, voilà. À 20h30 ce jour-là, ben, je voudrais prendre le COG, clac, comme ça. Parce qu'à chaque fois, on décide un petit peu sur le tas et. Je sais pas. Mais moi, j'aimerais bien faire des COG avec des. Je sais pas, avec 15 gendarmes à déployer. C'est vraiment de la pure gestion. C'est vraiment. Moi, c'est un côté que j'aime bien. Donc vous voulez pas prendre le COG, donc si j'ai compris. Non, bah. Je vais le prendre si vous voulez, hein. Moi je veux bien le prendre. Après, bon, il n'y a pas grande matière à COGC, quoi. Il n'y a pas grand chose à COG, quoi. Bah écoutez, il n'y a pas grande matière à COG, mais le peu que vous ferez en tant que COG pourra vous être bénéfique ou non pour un rapport. Ouais, mais je veux dire la vérité, en fait, j'ai envie de conduire. Ah, bon, bah j'ai compris. Allez, je vais le prendre. Attendez, il faut juste que je fasse un truc. Accès réflexe, caméra, bouchon d'oreille. Ah, pas de bouchon d'oreille. Ah, peut-être que je les ai dans les oreilles. Ah non. C'est où j'ai O'Neill. Poum, poum, poum. Je me rappelle la première fois que je suis venu dans la gendarmerie, première fois que j'ai ouvert, enfin que j'ai regardé ce qu'il y avait dans l'armurerie, j'étais tout wow, c'est beau. Donc vous confirmez qu'on n'est que deux à partir en Affirmative. kilo. Faut pas changer. Or kilo. C'est quoi ça? Ouais, 104 en recrutement, ouais. Ouais bah oui. Alors on a O'Neill, moi-même, et du coup c'est Guillon, hein. Alors, si vous avez un doute, franchement, ça me ferait de la peine. Moi j'aurais pu dire c'est Tom. Mais je suis Ouais. respectueux, j'ai dit c'est Guillon. Bon, oui, c'est Guillaume. Voilà. Donc voyez-vous vos allusions. Non, mais je rigole. Moi, moi aussi. Bon ben j'attends que vous êtes prêts, je vais faire ma prise de service. Pim, pim, Bonjour. pim. Alors la prise de service, le petit message des familles qui va bien. On est toujours en niveau. Ah ouais, c'est vrai qu'on est toujours en niveau 3 sur Cavalry. Oui, malgré qu'on a eu des enlèvements de gendarmes, on n'est pas passé en... Bon, bref, faut pas chercher à comprendre. C'est comme ça. Après, enfin, on n'a pas Alors, été prise de assez bon pour service. descendre le niveau, quoi. Moi aussi, ouais, mais bon. Alors, attendez, il faut que je vérifie un truc, parce que là, c'est pas évident. Ok, c'est bon. Bon, pour information, ça vous dérange pas que j'ai allumé ma GoPro? Qu'on vienne pas me dire après que ça vous dérange, hein. Ça me dérange absolument pas. Voilà. Non, je préfère le dire pour éviter tout compromis. Ah bah, vous savez, on a du genre, faites ce que vous voulez.
Non, mais c'est juste que les conversations qu'on a d'habitude, vous savez, du style très privatif, qu'elle n'ait pas lieu, quoi. Du style, mon adjudant, vous avez un beau sexe ou des trucs comme ça, quoi. Je Non, vois. En train de dire, mais qu'est-ce qu'il qu'il raconte? raconte? Qu'est-ce qu'il Pourquoi raconte, il dit l'adjudant? ça? Bon, un berlingot, ça vaut combien? Ouais. Bah, peu importe. C'est OG à l'écoute. Ça doit être la Altice Weapon Company. De COG, c'est bien pris. Ne serait-ce pas l'Altis Weapon Company qui fait des essais d'armes? Faut demander sur la 30. Ben écoutez, vous êtes proche de la Altis Weapon, vous pouvez poser la question sur la 30 si ça vous dérange pas. Clé. Pourriez-vous demander sur la 30 à l'Altis Weapon s'ils sont en train de faire des essais d'armes? COG, merci. Waouh! On n'a pas posé la question, on a la réponse. Ah mais merde, pourquoi je suis monté là? Oh les histoires. Le COG, c'est bien pris. Bonne formation à vous. Ah là là. Pourrait nous prévenir quand même. Ah franchement. Hein. Mais c'est magique, hein. On n'a pas le temps de poser la question, on a déjà la réponse. Ouais, à mon avis, des petites ondes sur notre fréquence, hein. Enfin. Test le point. Reçu. Ah sinon Guillaume, ça va bien? Oh oui, tout va bien. Je suis content d'avoir été promu. Ah bah c'est toujours un aboutissement, une promotion. Ah oui. Surtout que je l'espérais plus en fait. Là là Voilà. là 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 là. Désolé mon coco, mais Piergos. On aurait été trois minimum. En tant que COG et adjudant, j'aurais dit, oh, allez, on va jeter un oeil, mais on n'est que deux. Que deux. Ils sont trois. On est en infériorité, mais plus plat des excuses, on a de la. Ah, il s'agit d'une personne peu formelle qui passait par là. Et où, en Bugatti? 85, je vais faire un rappel au poids lourd. Allez-y. N'oubliez pas le Giro. Sais pas si ouais, j'ai pas le klaxon. Si vous activez la commande F et vous avez. Voilà. Attention. Allez-vous garer un peu plus loin juste avant la maison en pierre? Ok, d'accord. Merci. Laisse précéder, chef. Alors, j'en profite pour pendant ce petit contrôle pour vous dire bonjour à tous. Ça fait longtemps que j'ai pas stream sur Agora. Ça fait longtemps que j'ai pas mis de rediff sur YouTube. Donc là, j'en profite un peu. Parce que ça me manque, honnêtement. Autant que ça manque à certains d'entre vous, d'après ce que j'ai compris. Donc on va essayer de refaire de temps en temps des streams. Peut-être pas aussi souvent qu'à une certaine époque. Les raisons, je vous les donnerai pas. Pourquoi j'ai arrêté de stream, pourquoi vous n'avez pas eu de suite. Parce que ça sert à rien de polémiquer.
Donc là, je vais essayer de refaire un peu de stream parce que personnellement, ça me manque le contact avec vous, la communauté et tout ça. Donc voilà. Donc ça sera rediffusé en rediff sur ma chaîne YouTube comme c'était fait avant, mais il y en aura moins qu'avant. Voilà. C'était juste pour ça. Donc maintenant, bienvenue. Suivez bien le RP sur Agora. Essayez d'en profiter de voir comment fonctionne et comment tourne le serveur d'Agora. Et moi, personnellement, ça me fait plaisir de vous retrouver, chère communauté. Un coucou à Marcel et aux autres. Et à tous ceux qui me suivaient avant. Et non, je suis pas mort, je suis toujours là. Allez, c'est parti pour du RP, les gars. Ah oui, c'est vrai que maintenant tu as accès au casier judiciaire. C'est vraiment très pratique. C'est appréciable. Ah oui. Franchement, quand j'étais brigadier, qu'à chaque fois je devais prendre mon... quand je parlais à un civil, je prenais mon téléphone, j'envoyais un SMS au collègue à côté pour donner le nom de la personne, c'était vraiment très chiant. Après le temps que la personne que tu contactes accède au fichier, qu'il te donne la réponse, pour peu qu'il soit pas disponible parce que lui aussi il est occupé sur autre chose, c'est un peu chiant. Oui, ben, c'est pour ça que c'était bien parce que En même temps que je pars au civil, il me prend un petit papier et puis hop, je regarde immédiatement le casier judiciaire en même temps et puis je parlote un petit peu. Vraiment extrêmement pratique. Ah, il y a de la voiture là-bas. Ouais. Voiture, moto. Waouh. C'est Mike ça? On va aller voir. Ouais, attention, on verra. Ouais, bonjour. Salut Jack, ça Salut Mike. Ouais, ça va et toi? Bonjour monsieur. Eh mais putain, t'as fait quoi ta bagnole? Ah la vache! Only Vegas! Tu m'entends? ouais, je t'entends. Ouais, ça se refuse plus rien, Mike! Tu comprends, Oh la vache! Et c'est qui te l'a fait la peinture? Steph. Ah ça m'étonne pas, un peintre de qualité, hein. Oh elle est jolie! Franchement, elle est très jolie. Ouais, elle est sympa. Oh juste pour ça, j'aurais bien envie de revenir à la Vegas, tu vois? Ah, mais t'as pas de Bugatti. Ah ben c'est ça s'achète une Bugatti, non? Ouais. 80 millions, tu les as? 80 millions, oh ça peut se trouver. Ah, il a fait du beau travail. Hein. Il y a Ah ouais, elle est belle. une mission où il a pas peint tout, forcément les côtes, les angles. Oh. Ah non, elle est belle. Oh. Quand on vous croise, on la voit blanche. On la voit? Ah Ouais, bon? oui, mais en fait, nous, quand on est passé devant, ça m'a fait pareil. Je voyais des bords Ouais. blancs. Ouais, on la voyait blanche et rouge, en fait, pas noir et rouge. Ah, ah ouais, ok, c'est bizarre. Et que quand vous êtes prêt, que vous la voyez bien? Ouais, quand on est prêt, ouais. Bah, c'est bizarre, moi ça me fait pas cette impression. Bah, je sais pas quelle distance, mais. Moi je la vois parfaite. Hein. Ouais, je vois des petits contours blancs, mais. En tant que membre de sécurité, vous aviez accès au MXM? On y a eu accès il y a cela un an, un peu plus d'un an. Ah non. Avant vous d'ailleurs. Et Oui. du coup, on a le droit de finir nos stocks avant de. Jusqu'à épuisement. Ouais, et puis en même temps, c'est le maire du canton, il a peut-être autorisé ça sur son canton. Non, non, non. Non, non. C'est vraiment ceux qui les ont achetés à l'époque et qui ont la licence vigile qui ont le droit de finir leur stock et de les utiliser. Dites-moi, monsieur le maire.
Vous allez vous représenter? Monsieur le maire. Vous allez vous représenter? Sûr. Ah, ok, bah, c'est pour être sûr. Bien sûr, bien sûr. Ah, moi j'aime bien. Et sans indiscrétion, j'espère que monsieur ouais, Steph, il est bien. Monsieur Odile, là, pour faire l'affiche. Qu'est-ce que vous dites? Oh bah non, c'est pas moi du tout. Ah non, de tout, du tout, du tout. Moi, il... Ah non, non, il n'y a que mes poils qui sont de la bite qui sont gris et pas le reste. Hein. Ah, sinon, à part ça, Mike, ça va bien? Bah ça va nickel. Ouais, il utilise ta musique préférée là, t'as entendu? Bah qu'est-ce qu'on fait? Très faiblement des fois, Jack. Ah bon? Ouais. Oh, c'est bizarre ça. Ah non, attends, c'est moi, attends. Attends. Salut Foxter, salut. Comment vous allez les gars? Vas-y, parle Jack. Ouais, ça va, tu m'entends bien? Ouais, impeccable. Quoi de beau sinon pour vous? C'est calme en ce moment? Bah on vient de prendre notre service, oui, c'est assez calme. Et sur Sofia, ça va? Bah écoute, Sofia, depuis la dernière fois que vous êtes venu là pour le LFI, je les vois plus trop. Ah bah tant j'ai mieux. Pas l'impression que ça soit sur le canton en ce moment, donc après à voir sur la durée. Hein. Après, ouais, faut faire attention. Hein. J'aimerais bien que j'étais en patrouille héliportée. On a eu un hélicoptère qui partait de l'aérodrome de Molos et qui était qu'on a forcé à partir. C'était un hélicoptère avec des Pax rebelles sur les côtés. Ils ont refusé de s'identifier, mais ils ont quand même. Mais bon, a priori, c'était le et il y a quoi comme problème avec le titre? Moi j'ai tellement plus l'habitude de stream que j'ai pas vérifié. Et un hélicoptère belge. Bon. Passer les consignes à l'état-major, moi. Ah ben. Je vais regarder ça, merci Foxa. Ok, sinon ce quoi de beau de base sur l'île? Bon, ouais, bah écoute, la routine, on va dire. Hein. On fait des petits rappels de vitesse là en ville. Ah oui, moi j'ai respecté les limitations. Hein. Eh oui, ça t'arrive. Comment ça, ça m'arrive? Attends, je suis ancien gendarme, je respecte les lois quand même. Allez, termine ton. Non, 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 je suis d'accord avec vous, monsieur le maire. Ouais. Y a pas de souci. Attention. Ah bah j'ai rien insinué, hein. J'ai juste fait. Que un signe d'approbation envers votre part. Oui, oui. Ouais. Ah ben j'ai rien insinué. Ah ça y est, ça va recommencer. Oh putain, je suis en train sur la 30. Attendez deux secondes. J'ai juste entendu le mot c'est bon, c'est Davis. Ah là là. Encore André qui veut atterrir ou décoller. Ouais. Je cherchais un job comme Jean-Jacques. J'aurais plus mis. Salut les gars, ouais, ça va. Ça met plus adjoint, mais adjudant. Merci, Foxstar. Ouais, je suis ouais. En train d'essayer de modifier le titre, mais ça veut pas. Pour pas la politique, Jack? Ah non, 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 fini, fini la politique. Ouais. Maintenant, je suis gendarme de carrière, donc c'est incompatible. Bientôt l'état-major peut-être pour toi. Oh là là, les histoires. De quelle section? De quoi? Dans quelle section? Pour le moment, OPJ en test. Et ouais. Puis c'est... Puis PSIG, c'est tout. Okay. Oula. Oula. Ah sinon j'ai vu la sécu, ça bouge pas mal en ce moment, ça recrute. Ah
Ah, on a pas mal de monde là-bas. Normalement ce soir là, si vous regardez le JT d'AITV, j'ai un spot publicitaire, deux spots pardon, qui vont passer. Non, attends. Ouais, j'ai vu. J'ai un spot pour la Vegas Sécu qui va passer ce soir. Ouais, bah je l'ai vu, comme je suis toujours capitaine de réserve, si tu t'en souviens. Ah, oui, c'est vrai. Je l'ai vu, ouais. Il a été modifié, celui que je vous ai montré, c'est pas le même qui passera ce soir. D'accord. Ok, voilà. J'attends avec impatience, puis j'en ai un deuxième la semaine prochaine qui passera. KRX800. Je t'avouerai que ça fait tellement longtemps que j'ai pas su streamer, donc je sais pas. Ouais. Je le ferai passer au moment des réélections. Ah, j'ai bien aimé le spot que tu avais fait passer sur le canton de Sofia en tant que maire, que tu nous as présenté. Ouais, bah, tu l'as vu, je vous l'ai montré aussi. Ouais, moi j'aime bien. C'est celui-là. Moi j'aime bien aussi, il est sympa. Je le passerai au moment juste avant les bureaux de vote, normalement le dimanche avant les bureaux de vote. Ouais. Mais alors, t'as l'intention d'aller plus loin que maire ou... Ou tu te cantonnes à la mer? Oula, les histoires. Pourquoi pas aller plus loin? Ah, comme tu le sais, hein, tu auras sûrement pas mal de citoyens qui vont te soutenir dans ta démarche. Même si en tant que gendarme, j'ai pas le droit de parler politique. Ah oui, bien sûr. Ah, Théo! Ouais, sérieux! La forme, Théo! Oh non, des pas. De quoi? T'as pas entendu ce qu'il a dit, le mec? Non, j'ai pas un... Le mec, il y a les poulets sur la place, viens pas, viens pas. Ah, tu dois aller épauler ton collègue. Bravo. Trajet agent, c'est 27 000 euros d'amende. D'accord. Et pourquoi vous me dites ça, monsieur? Non, parce que le « viens pas, mec, il y a les poulets sur la place », va pas me prendre pour un jambon. Non, mais c'est pas moi, monsieur. Oui, bien sûr, vous êtes le seul sur la place, vous passez à côté de moi, mais c'est quelqu'un d'autre. Hein. C'est peut-être mon collègue d'ailleurs. Mmh. Ah, franchement, vous me prenez pour des abrutis? Excusez-moi, monsieur, excusez-moi. Ah oui, il faut éviter des commentaires de ce genre-là, comme mon collègue vous l'a dit, ça peut être pris pour outrage à agent, et d'autant devant des témoins. Hein. Vous avez un magistrat à présent. Il n'y a pas de souci, je m'excuse vraiment, monsieur. Donc maintenant, vous allez nous dire pourquoi vous... Eh ben attendez, vous partez pas comme ça. Pourquoi vous avez dit à votre collègue de pas venir sur la place parce qu'il y a les gendarmes présents? Bah, pour rien, en fait. Bah non, il y a quelque chose derrière, monsieur. Non, vous inquiétez pas, il y a rien, monsieur. Ouais. Vous êtes sûr? Oui, certain. Certain. Faites attention, hein, du coup, on vous a l'œil. Hein. Je pense que tu as juste voulu nous provoquer. Je suis très pressé, monsieur, je dois y aller, au revoir. Attention à votre vitesse, monsieur. Oh là là, il a dû avoir son permis dans un paquet bonus celui-là. Ouais, non, mais le mec très discret, viens pas, il y a les poulets sur la place. Qu'est-ce que tu fais de beau dans le secteur, Mike? Hop, je me balade. En ce moment, voilà, les gars, il n'y a pas grand monde là cet après-midi. Je me suis dit, je vais faire un petit tour. Ah ouais. Moi, j'aime bien ta bagnole, hein. Il n'y a pas à dire. C'est pas mal, hein. Ah oui. Dis-moi qu'on est la même en gendarmerie. Ah, bah quand j'étais gendarme, je la prenais pour aller faire des contrôles de vitesse. Ah, je peux dire que les voitures, elles s'arrêtaient. Ah, ben, parce que le plus dur avec cette voiture, quand on est en course poursuite, c'est de pas dépasser les gens, en fait. Ah, je te cache pas qu'on a eu une intervention avec une voiture de ce genre pour arrêter une personne avec le même modèle. C'était avec le brigadier Latraide, si mes souvenirs sont bons. Oui, bonjour, monsieur. Voilà. Vous avez réussi à l'attraper? Bah ouais. Attention, par contre, à armes égales, c'est plus facile d'appréhender les gens. Hein. Ouais, j'ai celle-là, puis j'ai la MP4. T'as toujours ta Bentley? Ouais. Ah non, je l'avais vendue. Ah bon? Ouais. Oh, c'est dommage. Je l'avais vendue 77 millions. Et tu l'avais payé plus que ça? Ouais, c'est quoi ce bruit? Oh là, qu'est-ce qui vous est arrivé, chef? Il passe dedans, lui. Ah, vous auriez pu prévenir le civil, hein, qui passe pas dedans. Je voulais lui dire de partir, mais bon, il partait pas, et puis je vois. Non, je voulais lui dire qu'il claquait les dents, mais il comprenait pas. Et merde. Bon, bah, c'est des choses qui arrivent, vous avez de la chance que je suis pas du genre à faire des remontées pour vous plomber. C'est plus une pourriture qui
fini, Mike. J'en ai jamais été une, tu le sais très bien. Bah, Mike, casé, autant pour moi. Ouais. J'ai entendu hier soir ça pétaradait là sur l'île. Je sais pas, moi, j'ai pas pris mon service hier. Voilà. Non, j'étais indisponible. De temps en temps, faut faire un break. Quand ça m'arrive ce genre de merde, mon Dieu. C'est des choses qui arrivent du moment que c'est pas intentionnel. Seulement quand vous le faites, faut pas Non, oublier c'est de bon, je prévenir. démissionne. Ah bah. Vous voulez que je vous donne le formulaire? Formulaire 1A-B. Là, t'as pas changé, hein. Toujours aussi con, ouais, c'est ça, ouais. Les gilets sécurité sont magnifiques. Ouais, je les adore. Ah, j'aime bien. Il a fait du bon boulot, Steph. Ouais, les bérets aussi. Ah, tout, il a tout bien travaillé là. Bonjour. Après, c'est juste Bonjour. moi, je suis Vous allez bien? oh, ouais, j'ai regardé la moitié là, Ah, la bah, nouvelle. Hein. on a plein de Ah, monde. bah oui, hein, c'est une belle voiture. Hein, vous voyez, une belle pub pour la Vegas Sécu. Ah, bah, Bah, pour la Vegas en général. oh, Bon, ouais, sur c'est une île beau. comme Hein. celle-là, on n'a pas trop le choix. Moi, j'ai roulé, ça, je dois y aller. Hein. Au revoir. Hein. Bonne journée à vous. A priori, Mirobel, il aura plus les convois. Ben c'est sûr que quand je vois les convois de la Aristide de 12 tempêtes, ils ont pas besoin de nous, je me dis. Quand ça ira du monde. Ouais. Va peut-être repartir faire un tour ailleurs, nous? Troisième Allez, tour. on va aller contrôler les traitements. Ah, je vais y aller Allez, aussi. bonne journée, Bonne Allez, journée, à la à plus. prochaine. Tout monsieur l'agent. Bonjour. Bonjour. On va aller au. Je vais passer par la gauche, on va aller à la mine de cuivre. De toute façon, si vous avez l'habitude de patrouiller avec moi, vous savez comment que c'est le chauffeur qui décide du trajet, Ah sauf ben oui. contre-indication. En fait, je voulais taper. Oh, j'ai pas vu le stop. Ouais, j'ai pas eu le temps de vous le dire. Conneries sur conneries, bordel. Ah, mais c'est déjà arrivé à des collègues de s'en faire faire de lancer de l'acrymoplasque. Voilà, moi ça me dérangeait pas, mais quand c'est moi, ça me. Ah, putain. C'est les choses qui arrivent à partir du moment que vous expliquez ce qui s'est passé au civil. Il n'y a pas de Non, souci. je m'en fous du peuple social. Ah, puis en plus, ouais, j'ai pas l'habitude de lancer des lacrymos. Et quand j'entends le bling, je me dis non, mais je lance une grenade. Le sol à la mine de cuivre. Par contre, moi je suis vachement intéressé par tout ce qui est politique, gouvernement, etc. Et je crois que si je devais être au gouvernement, je crois que j'essaierais d'être maire de Cavala. Ouais, le problème, c'est que si vous voulez faire de la politique, bye bye votre carrière de gendarme. Oui, malheureusement, mais bon, écoutez, c'est quelque chose qui arrive. Ah, c'est la suite logique des choses, hein, mais bon. Tant pis, hein, peut-être qu'un jour j'en aurai vraiment marre de la gendarmerie, puis que voilà.
Ah, c'est un choix. J'ai tellement d'idées de décrets, de choses comme ça. Bah pourquoi, pour commencer, vous n'avez pas proposé ou candidaté sur le poste de sénateur gendarme? Parce que c'est le temps gendarme, je trouve qu'il n'y a pas assez de choses à faire dedans. Je trouve ça vraiment pas intéressant. Bah le souci, c'est que les gendarmes qui sont sénateurs n'ont peut-être pas compris le sens et le rôle de leur fonction. Vous parlez de proposer des décrets et des suggestions au gouvernement si vous êtes sénateur. Justement, le but est de transmettre ces informations au gouvernement. Ah oui, mais après, mais moi c'est que je voudrais pas que les proposer, je voudrais les mettre en place directement. Et puis surtout, en fait, le respect à avoir en tant que maire, etc. etc. Non, j'essaierai de dynamiser un petit peu la ville de Kavala pour la rendre plus attractive. C'est vrai. J'organiserai des feux d'artifice, des choses comme ça. Oui, des meetings, des événements, tout à fait. Mais bon, je trouve que Kavala est vraiment une ville très très calme. Mais moi, par exemple, un décret que je mettrais en place, ce serait que les entreprises voulant faire des convois de tempête doivent demander une escorte de la gendarmerie. Et un Oh. véhicule, voilà, parce que c'est des véhicules qui sont imposants, lourds. Pour moi, c'est comme un convoi exceptionnel. Quand je les vois passer les tempêtes à 130, enfin à plus de 130, non, peut-être pas 130, mais quand je les vois passer dans les tournants comme l'entreprise là, ah mais moi en voiture, je suis obligé de me ranger, hein, parce que sinon, franc, je me fais rafler. Et pas forcément un gros convoi avec des motos et tout, hein, juste peut-être même ça pourrait être un rôle de l'APA, tiens, par exemple. Ils envoient deux motos en avant, tac, ils disent voilà, on va de là à là, point barre, et puis hop, la gendarmerie, ou juste le trajet en face, puis. Le souci, c'est que ça impliquerait que quand on a des services disponibles de tout le temps le faire, ça obligerait les entreprises de ne pouvoir le faire que s'il y a de la gendarmerie et ça serait vite impossible. Après. Ils doivent demander au moins l'accord de la gendarmerie. De dire voilà, on va faire on a un convoi à faire avec des tempêtes, on va aller de là à là. Nous, par ça, on fait un communiqué disant qu'un camion et un convoi exceptionnel circulent sur cette route. Faites attention et roulez prudemment. Enfin, voilà, ce serait des petites contraintes et des petites liaisons qui pourraient être faites entre la gendarmerie, les entreprises et le gouvernement. Après, le souci, c'est que, comme je vous dis, c'est que déjà en règle générale, une entreprise elle reçoit ses accréditations sur les comptons et comptons annexes de la part des maires en place. Et si vous leur imposez encore plus de contraintes, les agences de sécu, au bout d'un moment. C'est pas une énorme contrainte, je leur dis c'est simplement que quand vous faites un convoi de tempête, parce que quand ils font un convoi de tempête, ils le préparent, ils disent voilà, Ah bah c'est ça le problème, c'est que le convoi de tempête, ça dépend des entreprises. Si une entreprise estime que la bourse, on va prendre un exemple, ils se réveillent à 20h continentale, ils se rendent compte que la bourse est prête et elle est bonne et qu'ils n'étaient pas au courant avant, ils contactent au dernier moment les agences de sécu qui ont déjà des difficultés à s'organiser pour pouvoir procéder au convoi et à la vente. Donc si en plus vous leur imposez d'autres contraintes par-dessus, ça sera plus possible. Après c'est comme ça, c'est le jeu, hein. Mais bon, moi je trouverais ça bien. Puis bon, si jamais, en fait, si jamais nous on n'est pas disponible, on dit désolé, mais on est indisponible, vous êtes autorisé à faire votre convoi et on fait un communiqué par la même occasion. Mais par exemple, voilà, si par exemple il y a une patrouille kilo et que c'est un convoi par exemple qui va qui va, je sais pas moi, comment dire, qui part de Kavala, bah, admettons à la Haristil, et qui se termine sur Attira, mais nous, par exemple, en tant que kilo, on est en tant que véhicule précurseur sur la route principale, ensuite, tac, on laisse la Alpha reprendre le truc. Enfin, ce serait en gros rajouter des contraintes, parce que sans contraintes, en fait, il n'y a rien d'intéressant. Tu vois ce que je veux Ouais, dire? non, je comprends ce que vous voulez dire. Mais Ouais, après, bon. moi, je me projette en tant que capitaine de réserve d'une agence de sécurité. Je connais au sein même des agences de sécurité les problèmes qu'on a. Alors. Oula. Genre. Genre.
Ouais, mais le problème, c'est que c'est bien joli tout ça. Qu'est-ce qu'il veut qu'on foute? On est que deux. Réponds-lui que ce qui serait pas mal, c'est que lui, de son côté, s'arrange pour que ce soit une zone assez proche d'une zone gouvernementale. À la limite, si c'est un échange d'héroïne, on peut aller voir et juste prendre des photos. Et ça posera un lapin, hein, ça posera un lapin, c'est pas grave, mais on pourra au moins prendre des photos et faire un rapport. Est-ce que ça vous intéresserait pas qu'on se change en PV à deux? Non, malheureusement, comme on n'est que deux. Je sais que le Major Schmitt le fait parfois. L'avantage, c'est qu'il est major. Bah Je après. peux décider d'aller sur un autre secteur de patrouille, vu que je suis adjudant maintenant, mais moi, je m'en réfère au règlement interne de gendarmerie. Pour le moment, on est supposé être sur Kavala. Oui, enfin deux gendarmes en service doivent être dans le canton, ouais, de Kavala. Ouais, parce que là, à partir sur un Ah oui, sur une échelle à de deux, deux. si vous voulez pas finir devant une caméra à vous prendre des claques dans la gueule et à vous retrouver à poil, Ah oui. on a beau être Ah, gendarme, il y a un faut pas y minimum. aller, hein. Ce sera juste pour prendre des photos. Hein. Oui, de loin, de très Seulement très loin. de loin. Non, moi je vais pas là, je touche pas à ça. Il y a un taxi. Ouais, c'est mort. Ils ont avec leur nouvelle application maintenant, ça doit être vraiment bien de faire. Ah oui. Ouais, mais l'appel c'est bien, mais Attendez. si on peut prendre des photos de la cargaison au moins, de loin. C'est-à-dire que même s'il enregistre le téléphone, ce serait bien d'avoir en plus des photos des camions et de la personne. Je suis en train de répondre à un message, vous pouvez regarder d'où vient l'appel? Vient du garage de Kevala. Problème serreur garage. Bon, on va y aller. Hein. Quoi le message qu'il y avait là? Ah, c'est moi qui viens. Problème de serrure, what the fuck? On est des serruriers. Ouais, comme on est des dépanneurs quand il n'y a pas de dépanneur. À la rigueur, moi ça me dérange pas parce que d'un côté, quand les personnes sont très loin, enfin s'ils sont à Kavala, je dis non, mais quand les personnes sont perdues dans la pampa, et si on venait pas, ce serait comme de la non-assistance à personne en danger. Oh ben, de toute façon, oui, en règle générale, quand ils sont loin d'un garage, j'y vais. Oula, lui, roulez pas doucement. 75. On va à la PLA, parce que bon.
Je réponds à un message, allez voir ce qui se passe. Excusez-moi, monsieur, en fait, je dois me rendre au travail, donc si vous pouvez vous dépêcher. Je comprends bien, monsieur, mais on fait au plus vite. Je suis vraiment désolé, monsieur. Ah oui, pas de problème, ça arrive à tout le monde. Comment ça, vos clés sont tombées? Je sais pas, c'est... je sais pas. Attendez, bougez pas, je vais mettre mes outils de crochetage. Ouvrir cette voiture parce que bon, la plaque correspond à votre identité. Hop. Wow. Ah. Pas mal. Ah, merci. Merci beaucoup. Par contre, écartez-vous, je vais sortir là. Ah, c'est une belle machine, hein. Normalement vous avez les clés là. Je sais. C'est parfait, merci beaucoup monsieur. Pas de soucis, je voudrais juste revoir une dernière fois votre permis de conduire, ce sera bon. Mon petit permis de conduire, hop, présentation, hop, là je veux pas être avec la maison. Salut JP, comment tu vas? Bonne. Hop là, monsieur. Bon bah parfait monsieur, vous pouvez y aller. Merci beaucoup, hein. Merci pas de soucis monsieur. De vous rencontrer, monsieur. Pas de soucis, de même, bonne journée. Pas de soucis. Dépanneur, serrurier, gendarmerie multifonction. On est là pour ça. Je vais attendre qu'il parte là pour pas qu'il y ait de soucis. Elle est. Il n'y a plus de panneau stop ici. Il y a quelqu'un qui a dû rouler dessus. Ouais.
Ouais, 60, 50. Ouais. Regardez où est-ce qu'ils vont là, les camions, parce qu'il y a Skyline qui a l'air de suivre le poids lourd. À mon avis, c'est un pote à lui. Bonjour de doubler en montée comme ça, mais bon, j'aime pas les gens qui ont peur de nous et qui restent à 90 ou à 130, hein, les gars. Il va falloir le comprendre un jour. Y a rien qui interdit de rouler à 90 au lieu de 130. Oui, je comprends bien, mais bon. Et bien la circulation. Ouais, il y a du monde, faut faire gaffe. Hein. Faites attention, ça colle au cul. Ouais, par contre, rouler une vitesse aussi faible, c'est dangereux. C'est par contre 151, lui, il va aller hop. Ou est-ce que non, je sais pas. Est-ce qu'on intervient ou pas pour 151? Il a ralenti tout de suite après. Il a juste roulé à 151 pour nous doubler. Ouais. C'est juste pour le dépassement. Et puis il me gonfle. J'aime pas les gens qui ont peur, je roule pas vite comme ça. Et là, il double comme un dérapé, quoi. Par contre, le pick-up blanc là, il a fait une halte au vendeur de cuivre. Il est parti direction le traitement de verre. Je sais pas. Ouais, il a une arme en Ouais, plus. il a sorti une arme en sortant de son pick-up. Ouais, je pense qu'on va bien rester près de lui. Et apparemment, ils sont escortés par la Skyline. Ouh là là, le off-road là. Là, Ouais, le off-road, on le prend je vais lui. laisser la voiture passer. On part là, Off-road. oh putain. Lancer un coup de deux tons. On s'arrête. Attends. Go, go, go. Mets les deux tons. De gendarmerie pour le pick-up blanc. On va vous demander de vous arrêter immédiatement sur le bas-côté. Reçu fort et clair. De gendarmerie pour le pick-up blanc poursuivi par une patrouille de gendarmerie. On va vous demander de vous arrêter sur le bas-côté.
Attends, je vérifie. De gendarmerie pour le pick-up blanc, on va vous demander de vous arrêter immédiatement sur le bas-côté. Oh, Perry, il est pas pilote. Perry, je crois qu'il est pilote. S'il pouvait venir en héliporté au cas où. De COG pour Perry. Vous êtes bien pilote ? COG, est-ce que pour Perry, vous êtes bien pilote? Pourriez-vous sortir une héliportée? Nous sommes actuellement sur un code bleu, sur un pick-up blanc au niveau de Kevala qui refuse d'obtempérer. Code gris, il a cassé. Main sur la tête, monsieur. De gendarmerie, autorisation accordée. Pour ça. Ok. Ah, c'est un peu dommage, hein, par de. Surtout qu'en plus, on vous aurait certainement pas contrôlé pour l'arme. Hein. Bon. Donc. Monsieur. Parce que si vous n'avez pas de licence d'arme, déjà, je vais vous prendre votre arme pour commencer. Elle est par terre, monsieur, je l'ai lâché. Elle est là par terre. Je vais vous prendre aussi les chargeurs de Beretta. Vous avez des papiers d'identité sur vous, monsieur? Oui, bien sûr. On va s'approcher de la voiture. Est-ce qu'on irait pas à la brigade vu que bon, ça si, hein. On va aller à la brigade de toute façon. Prête, ouais. Ouais, au froid et tout ça. Je vais réparer son véhicule. Ok. Monsieur, on va vous emmener à la brigade de Kevala. D'accord, monsieur. Là, on fera des sur la tête. De COG reçu fort et clair. Donc du coup vous allez rester en hôtel, ça vous dérange pas? De COG, c'est reçu fort et clair. Du coup, de rester en hôtel, est-ce que ça vous dérange ou non? Ça ne me dérange pas, je vous passe un pas à ce processus. Ok, donc pour le moment, restez en hôtel. Je vais vous demander d'intensifier les contrôles sur la mine de fer, traitement de fer et tout ça sur Kevala. C'est bien pris? Ouais, c'est reçu.
faire une prise d'empreinte, des photos. Tu veux t'en occuper, Jack, ou j'en occupe? Non, vas-y, prends en charge. Reçu. Je vais simplement prendre votre téléphone le temps que je donne au loco et vous sera rendu à la sortie. Allez-y, vas-y. Je vais vous le démenoter, monsieur. Et me présenter des papiers d'identité. COG de hôtel, parler. Ah, attendez. COG à l'écoute. J'ai une voiture qui fait des allers-retours au niveau de la mine de fer, du coup, un petit peu suspecte, une Skyline noire. Le COG s'est bien pris, apparemment la Skyline noire suivait il y a quelques minutes un MAN ainsi qu'un fourgon couleur noire. Apparemment ils sont ensemble. Ouais, peut-être venir contrôler du coup. Pour le moment, nous avons une personne interpellée à la brigade pour le code bleu qu'on a signalé tout à l'heure. Donc on règle tout ça et on se rendra sur position. Ouais, je suis confus, mais bon. Vous venez avec moi, on va faire une prise d'empreinte. On va relever vos empreintes. Venez, venez. Là, vous voyez, là, à côté du cuir, c'est un petit pad tactile. Quand je vous le dirai, vous allez poser votre main dessus à plat. De gendarmerie pour l'avion survolant actuellement Kavala, on va vous demander de prendre de l'altitude s'il vous plaît et l'identification du pilote s'il vous plaît. COG à l'écoute. De COG pour Delarue, à l'heure actuelle, j'ai que 3 effectifs de dispo. Une kilo composée de 2 gendarmes et une héliportée. Affirmatif, si c'est possible, on peut monter une OP, oui. De COG pour hôtel. Allez, écoute. On va récupérer les informations de la rue et vous allez vous diriger sur les informations données, c'est bien pris? Ouais, reçu, je check encore un petit peu là les mannes qui sont en mouvement. COG, c'est bien pris. De COG pour de la rue. Si vous arrivez libéré de 3 effectifs, vous les informez qu'ils passent en Psyg Alpha, vous nous communiquez les détails du rendez-vous et on se rendra sur place dès que possible. Le COG est bien pris. Si vous l'acceptez pas, là vous ferez un séjour en garde à vue assez poussé dans nos locaux. D'accord. Ok, alors. Bon, je vais pas être vache, je vais pas vous mettre de dégradation bien publique, parce que vous avez cassé quelques barrières en passant.
et vous avez abîmé le mur aussi de l'entreprise. On va simplement retenir. Du coup, vous êtes bien sûr, donc vous n'avez pas de panic board, hein, les gars, d'accord? Non, j'en ai pas. D'accord. Ah oui. Avec le prix des amendes changées, le gouvernement est un peu clément. On va référer à de nouveaux tarifs. $2 russes pour SEG, donc actuellement, ce qui s'est dit avec monsieur, c'est qu'il se rejoigne un champ, le champ de ruines, dans ce cas, on ne le touche pas. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'il va continuer à prendre des prix d'impôt, puis on va se refuser d'obtempérer. De COG, c'est bien pris, vous tenez au courant, on va converger sur la position, sur la brigade d'Atira incessamment sous peu. De COG, bien pris. Sur la tête, je vais vous présenter la verbalisation. Hop, je vous note rapidement, c'est simplement pour pouvoir augmenter la verbalisation. Là, je peux quand même. Vous vous rendez pas compte à quel point vous risquez votre vie pour un simple. Pour une simple licence. Dites-moi, monsieur. Vous pouvez m'expliquer ce que vous faites près du vendeur de cuivre et à tourner en off-road autour du traitement de cuivre? J'ai un ami qui... Elle est pas tardé à arriver. D'accord. Vous vous rendez compte que vous avez un comportement plus que suspect, monsieur? Je m'en rends compte. Ouais. Donc à l'avenir, faites attention à vos comportements. Ceci, hein. J'y ferai attention. D'accord. Hop, je vais rapidement remplir le procès verbal. De COG pour hôtel. Pouvez-vous juste vérifier l'information par message qu'on vient d'avoir en 061-165? Ouais, il y avait un véhicule 4. Ok, de COG, c'est bien pris. On va se rendre sur les lieux dès que possible. En tous les cas, monsieur, j'aurais pas les moyens de payer cette deuxième verbalisation. Ah bon? Regarde simplement combien. Et 58 euros, monsieur, l'état d'une arme sans permis. Je suis pas exactement sûr, mais je pense que j'aurais pas les moyens de payer. Je n'ai pas également les soldes de mon compte en banque. Bon. Je vais être clément, d'accord? Alors, je peux vous dire que c'est plus que clément. Je vais pas vous verbaliser pour la non-possession d'une licence. Bon, en revanche, par contre, ça va pas être avec les judiciaires, pour que vous n'ayez pas de... D'accord. Démenoter, je vais essayer de procès verbal. Hop, venez, je te pose là. Je vais signer juste à côté de moi. Oui, alors attendez, bougez pas. Voilà. Très bien. Écoutez, monsieur, vous avez payé votre verbalisation, vous allez pouvoir repartir. Bien. D'accord. Je vous remercie encore une fois, monsieur, hein, d'avoir été généreux. Ça n'arrive plus jamais, ce genre de comportement. Et je vais y veiller.
Pour info, son véhicule est sorti. Hein, ouais. Les dépanner un civil accidenté à comment s'appelle là-haut à Corps. Ouais, en 061 165, c'est en plein milieu de Corps. Ah, on est vraiment des padeurs là pour le coup. Oui. Comment il conduit? Ah, son téléphone. Je vais pas, monsieur, je vais vous rendre votre téléphone. Et mon téléphone. Ouais. Désolé. Hein. Oh. Il est par terre. Super, merci beaucoup. Au revoir. Pas de soucis. Au revoir. Allez, vas-y, direction Corps. Je te fais un tracé une fois qu'on arrive. Bah, c'est de toute façon, tu prends la route principale qui traverse Corps. C'est un accident où il y a des blessures corporelles ou il est juste en panne? Apparemment, il a juste eu un accident tout simple, qu'il n'y a pas de dépanneur. Puisqu'il arrive à parler par SMS, il n'a pas demandé de secours. On verra ça sur place. De COG pour Perry. Si jamais de rester en hôtel, ça vous sied pas et vous préférez retrouver la terre ferme, vous le signalez, hein, vous passerez avec nous. Ouais, ça marche. Mais lui aussi, il est bien accidenté. Nom de Dieu. Ouais, lui, il nous a pas appelé. Ouais, mais à mon avis, il risque pas de nous appeler, il a la tête sur le volant. Ah, j'ai pas vu. Heureusement, nous, enfin, quand on arrive, on peut pas faire grand chose, on peut pas se secourir un petit peu la victime, on peut pas l'aider. C'est... Non, s'il serait sur la voie publique, on aurait pu sécuriser l'accident balisé, mais bon, on va déjà traiter le cas sur Corps, on retournera là-bas ensuite. On peut pas être partout en même temps. Ah, moi ça m'énerve de quand les gens sont dans le coma et puis que les pompiers les réaniment, que nous on peut rien faire. Il y a des rebelles qui repartent avec leur équipement alors qu'on vient de les abattre. Vous êtes arrivé? Eh bah j'arrivais à ta route et je sais pas pourquoi, j'ai petit problème et j'ai fini tout droit dans la première direction, j'ai fini dans les marches. Bon. C'est moi qui ai ouvert la porte pour informer un peu du prix de la... oui. Tu lui répares sa voiture puis on y va. Là, le traitement de... Affi. Ah, c'est ses couilles. Ça va être très gentil à vous. Ah, surtout que... Oui. Non, c'est ça. C'est gentil de votre part.
par contre, je sais pas si c'est à vous, mais là il y a un M900 qui fait des pirouettes depuis tout à l'heure là autour et il fait des allers-retours entre à peu près la mine de fer et de sable. Il est passé sur le gendarmerie à l'écoute. Ah bon, je prends gendarmerie, demande une unité au niveau du marché de poisson de Kavala, entre le marché de poisson et le traitement de cuivre, au niveau du virage pour un AVP. La gendarmerie, on vous envoie une patrouille. Merci beaucoup, je vous envoie un message pour GLOTS. Ah, l'accident du pick-up rouge. Ouais, c'est le pick-up rouge. Et tu vois, les gendarmes arrivent vite, tiens. Et on l'avait repéré. Hein. Bah oui. On l'avait repéré. Tu trouves pas ça bizarre? C'est à chaque fois qu'on est peu d'effectifs qu'il se passe plein de choses l'un derrière l'autre. C'est vrai qu'il se passe des petits trucs, mais bon, au moins ça nous occupe. Hein. Ah oui, oui, je dis pas le contraire. Là, ils ont tout bien mis en place. Bon, on va y aller. Bonjour. Oui, bonjour, vous allez bien? Ça va, ça va, ça va. Ok, c'est bien pris. On était en intervention sur un autre problème quand on a vu le véhicule accidenté sur le bas-côté. On était en train de revenir sur position comme vous nous l'avez signalé. Sa jambe gauche est là en dessous de sa jambe droite. Hein. Ouais. Le monsieur le blond là, il était sur place ou il est avec vous? Alors, il t'a pas dit. Vous m'avez entendu? Comment quoi? Oui. Le blond là, il est avec vous ou c'est un témoin? Oui, avec nous, c'est un stagiaire de découverte. D'accord, ok.
C'est sûr, moi je le vois à 100. Hein. Ok. La fontaine juste avant de faire match en tête, tu enlèveras la vitesse et puis tu mettras, t'engageras frein à main si c'est pas fait. Je monte du coup. Non, tu montes pas pour l'instant. Je vais la frontière. Dans le champ. Attends, je sais pas derrière. Ce que j'ai branlé, je voulais juste couper le moteur du camion, ça a levé un projecteur. C'est quoi, t'as touché au camion de pompier? Je sais pas, je voulais allumer les phares pour que déjà ça se voit mieux et puis couper le moteur parce que comme j'étais à côté ça me gonflait et puis ça a levé un projecteur au-dessus. Oh les histoires. Bien pris. Eric, tu me reçois sur point? Ouais, écoute. Bon, bah, j'ai Guillaume qui va prendre sa fin de service d'ici 10 minutes. Hein. Ton plaisir de t'envoyer en l'air, il va être interrompu. Hein. Merde. Moi de même, en fait, c'est un problème. Tu vas prendre une fin de service aussi? Ouais, il y a une réunion des alcooliques anonymes à 16h. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, j'y vais aussi. Tout le monde est convié ou? Ah bah on prendra une fin de service générale du coup. Il y a le lieutenant qui a fait un test long juste avant. Et ça sera une réunion d'alcooliques anonymes où il y a de l'alcool là bien entendu. On verra bien. Oni, tu peux vérifier qu'en face il n'y a pas de véhicule qui arrive. Ah, c'est bon, tu peux l'envoyer, il n'y a pas de véhicule. Bien pris. Voilà. Merci. Oh, y a pas ah, dire merci à vous. Ils agissent magnifiques là, avec leur camion qui fait derrière, ça écrit danger, accident, c'est magnifique. Bah, t'as vu, il est bien visible, hein, danger, accident. Et pourtant, j'ai vu des gens rentrer dans des camions comme ça. Hein. Ah, ben tu sais, ça arrive hein, quand les gens sont lancés. C'est pas faux. Léonie, la Pairie, c'est une réunion alcoolique anonyme que pour la gendarmerie ou pour plusieurs personnes? Non, c'est pour ça avec les méchants. En fait, c'est avec les méchants, mais un peu aussi. Ah, bah si c'est avec les méchants, il n'y aura plus que de l'alcool, il y aura de la beuh aussi. Affirmatif. Ok, bon, on finit ça et on va y aller. Moi, je vais me poser QGP. Ok.
Alors, j'en profite un peu pour vous parler. Est-ce que t'as des chambres, Vigia? Tu parles à toi. Est-ce que t'as des chambres? Ah, tu m'appelles Vigia. Ah, c'est Perry, pardon, je vous confonds tous les deux. Ouais. Bon, bah, comme vous avez entendu, on a une réunion. Est-ce que t'as des chambres? Sur TS. Gendarmes et rebelles, apparemment. Donc, on va aller voir ce qui se passe. Donc, je vais devoir mettre un terme au stream. Bon, vous inquiétez pas, on en refera de temps en temps. Comme je vous ai dit en début, pour ceux qui étaient là ou ceux qui ont rejoint après, donc je vais vous le dire. Je vais reprendre de temps en temps du stream. Mais vraiment que de temps en temps, ponctuellement et tout. Il faut que j'arrive à me remotiver pour streamer sur Agora. Mais si je décidais de restream aujourd'hui, c'est par rapport à plusieurs requêtes en MP de certains d'entre vous, hein, que ce soit sur Twitch ou sur YouTube. Ouais. On s'approche des pompiers, je leur dis « Quoi? Un braquage de banque? Ah mais on intervient tout de suite !» Non, non, ils vont remballer, c'est bon. Bah, victime a eu un problème, s'est envolé comme ça. D'accord. Donc plus de victime. Pour nous, on n'a plus rien à faire sur intervention. Okay. Est-ce que comment on s'arrange pour la dépouille de la voiture? Ah bah écoutez, là elle est pas en stationnement gênant, il n'y a pas de dépanneuse de disponible. Le véhicule est ouvert ou fermé? Non. Véhicule ouvert, bon bah écoutez, malheureusement pour la personne, enfin pour la personne, on va la mettre à la fourrière par Marcel, hein, Marcel de la gendarmerie, tant pis pour lui. Hein. Pas de soucis, ça marche. On vous laisse vous en occuper du coup. Oui, on va s'en occuper, merci. Merci à vous messieurs, un bon courage et une bonne journée du coup, bonne soirée. Au revoir. Merci, au revoir. Allez, fin d'intervention pour l'ensemble des 18, je passe le message et on rentre. Ah ben c'est celui à qui j'avais passé les clés là au garage. Ah ouais d'accord en plus. Bon ben voilà. Allez, on rentre à la brigade. Bon bah, on pourra pas dire qu'on a beaucoup eu beaucoup d'effectifs de présent. Hein. Ouais. Si tu pouvais faire ma fin de service pendant que je conduis. Attends, je vais la faire pour nous deux. Alors, pom pom. Fin de service. Adjudant. Nil. Et. Oui. Gardier, chef, Lyon, brigade de Cavala, kilo, dissoute, poste, COG. C'était quoi le message là? Péri. Ouais. Bon bah du coup, au revoir mon adjudant. Au revoir chef, à bientôt. Plaisir. Au plaisir, ouais. Alors, donc pour ceux qui sont encore là pour le stream. Ah là là, nom de Dieu. Donc comme je vous disais, je vais reprendre de temps en temps des streams. Je sais pas à quelle fréquence.
peut-être sûrement moins assidûment qu'avant, auparavant. Il faut juste le temps que je reprenne le plaisir à faire des streams sur Agora en tant que gendarme. En tout cas, c'était un plaisir pour moi de revenir un peu et un plaisir de revoir certains d'entre vous qui me suivaient auparavant, que dès que vous avez dû avoir la notification que j'étais en stream, d'être venu. Ça fait chaud au cœur, les gars. Donc je vais essayer au minimum une à deux fois par semaine, voire plus, je ne sais pas encore. Honnêtement, je ne sais pas encore. Mais merci encore à vous. Et je vous dis à bientôt. Bon après-midi à vous. Peut-être ce soir je stream, peut-être pas, je ne sais pas. Je voulais vous dire vraiment, ça sera suivant mes humeurs et suivant comment ça se passe. En tout cas, c'est un plaisir d'avoir fait ce petit stream de pas grand-chose. Hein. La rediff sera comme d'habitude sur ma chaîne YouTube. Je vous dis bon week-end et à la prochaine. Bye bye tout le monde.